Septium, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel on joue la France. On avait comme objectif la conquête de l'Afrique, ce qui a été fait dans sa globalité lors du dernier épisode. Je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas vu. Il nous reste quelques petites années. Voilà, on va se le couler douce peut-être, je sais pas. Je suis à la recherche d'un objectif. Le premier, ce sera déjà de refaire un petit marché correct. Maintenant, on remet à... Oh, c'est chez moi. Ah non. Du pétrole? Du caoutchouc? On remet à... Ici. Tiens. Ok, bah c'est une des premières fois que j'en vois ici. J'ai peut-être pas fait spécialement attention après, mais pourquoi pas. Ça, c'est toujours une bonne chose. On aime, on aime. On a besoin d'outils de fer, de locomotive, ouf, de moteur, oui, de moteur de plomb, outils fer, moteur plomb, soie. On va commencer par la soie au niveau de la Provence. Normalement, on peut en faire, ouais. Donc, au niveau pardon, infrastructure, on est bon. Voilà, on va faire 42, c'est bien. Plomb, on va faire. Du plomb, du plomb, du plomb, du plomb. J'en ai dans le Maroc intérieur, c'est bien ça. On va faire quelques chemins de fer. Et on va hop, faire les 30 000 de plomb. Plomb, 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 plomb. Moteur, ouais, moteur. Moteur, fer. Outil acier. Alors, moteur, non, moteur, c'est dans le Limousin. Moteur, du fer, du fer, du fer. Je sais même pas où est-ce que j'en ai encore de disponible du fer. Peut-être en Alger? Non. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Du fer, j'en mets. Ici aussi, Maroc intérieur. Ou au niveau de Marrakech. Bah, je vais en faire ici. Je vais en faire à Marrakech. Très bien. On va faire deux voies ferrées. Et hop, 18. Puits sauvage. Ouais, bah comme d'hab, hein, désolé les gars. Mais alors du fer c'est bon. Un pouilla d'acier et le reste ce sera des outils. Ok, un pouilla d'acier, on va en faire 10. Et tout le reste ce sera des outils dans Bourgogne. Ouais, on va rajouter des voies ferrées. Et on va en faire une trentaine d'usines à outils. Voilà. On a de la construction pour un an peut-être? Un an, parfait. On verra après pour équilibrer ou non, en fonction des besoins. Et voyons voir, qu'est-ce qu'on pourrait prendre, faire. Waouh! Waouh! Ah, quel mood méridional là! Ah, mais c'est que sinon on se fait une petite famine. Bon, 317 300. Aïe aïe aïe. Ça picote. Ça picote, comme on dit. Car on a pas mal de loyalistes, pas mal de radicalistes. Ah ouais, l'Égypte surtout, l'Égypte, l'Éthiopie. Ouais, les territoires que j'ai pris en dernier, quoi. Ouais, c'est ça. On va stabiliser, hein. Au niveau de la famille, on ira pas beaucoup plus haut. On ira clairement pas beaucoup plus haut. J'ai pas fait. Ah, peut-être que si, je sais plus. Est-ce que j'ai fait passer les libertés garanties? Non. Et ça me rajoute plus de niveaux d'investissement dans les affaires intérieures. Ça pourrait être pas mal, hein. Parce que dans les affaires intérieures, là, ça nous diminuerait, pardon, les vitesses de propagation de révolte de sécession, moins de radicalisme des mouvements politiques, un peu plus d'auto-enrôlement, ça, on s'en fout un peu. On va essayer de faire passer la loi, allez. Malgré les moins 20, on est quand même bien. On a du pétrole. Oh, ça fait du bien, ça. Peut-être même en avoir 4 ici. Ouais, c'est pas intéressant. 4 ici et 13 ici. Okay. Ah, ça pourrait faire pas mal, ouais. Mais bon,
Ne soyons pas gourmands. Région tactique isolée, Nakpur. Ouais, bon, tout ça, toujours là-bas. Avec la compagnie des Indes orientales, on est en trêve, je crois, jusqu'au 1er novembre. Allez, ce sera la dernière grosse prise. La compagnie des Indes orientales. Et là, je peux vous dire que ça va faire du bien. Déjà, ça fera une petite tache bleue en plus. Rose, pardon. Ça fera une belle petite tache rose en plus. Et surtout, du premier coup, ok. Et surtout, on aura nos régions intérieures qui seront desservies par le marché. Alors, au niveau de ça, je peux l'augmenter, mais il me faut 5100. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait vraiment beaucoup. Allez, en Île-de-France. On va faire 3 voies ferrées. 3, ouais, c'est bon. Et on va faire... Comment ça me rapporte ça? 2500 de bureaucratie. Ok, donc c'est 1000 en gros les 10. Il m'en faut 5000. Waouh. Je vais faire 10 administrations gouvernementales, comme ça on sera sûr que ça passera. Et au niveau du papier, est-ce qu'il est un peu cher? Il est un peu cher. Hop, on va faire. On va mettre en priorité. Hop, 30 usines de papier. Parfait. Là, normalement, j'ai 74 semaines qui tournent, c'est bien. On a des réserves d'or, donc on a vraiment pas de soucis à se faire. 21 millions? 21 000 de prestige? C'est pas mal. Matos grossos. Là, si on fait le... Ah, mais je vais pas pouvoir les annexer, les Indes orientales, ils sont 3e. Oh merde! Ah, j'ai trop tapé sur les autres pays et ils ont trop monté. Oups, pardon. On est premier. Juste derrière, il y a la Prusse. Loin derrière, pardon, il y a la Prusse. Juste derrière la Prusse, Compagnie des Indes orientales. Ouais, c'est dire à quel point je t'ai péçu. Ensuite, la Russie et l'Autriche. Ouais, l'Autriche, ils sont pas mis bien. Ils ont pas réussi à gérer... Qu'est-ce qu'ils foutent là, Piémont-Sardaigne? N'importe quoi. N'importe quoi. Oui, hein, au niveau de la Vénétie et de la Lombardie. Très bien, très bien. Derrière les États-Unis d'Amérique, qui sont venus 2-3 fois nous embêter, ils ont regretté très très vite. L'Italie, à un moment ils sont venus nous embêter, ils se sont dit c'est très mauvaise idée les gars, on va les laisser tranquilles. Ah oui, ils ont même perdu la Croatie, l'Autriche, tu m'étonnes. Il me semble pas que je suis intervenu pourtant, moi je sais plus. La Scandinavie, si la Scandinavie est 8e, c'est dire à quel point les autres pays ont pris cher. La Belgique, 9e. Ensuite c'est la Chine, ils peuvent pas augmenter plus à cause... pas reconnu en fait, c'est juste à cause de ça. L'Empire Ottoman, un peu pareil, hein, ils ont eu un peu la belle vie. Enfin, on les a pas embêtés plus que ça. Ensuite, il y a l'Espagne, ça. L'Espagne. Ce qui reste de l'Espagne, pas grand chose. Juste derrière, il y a l'Ukraine. Puis on passe à la Bohème, mais non. Ah ouais, Bohème, Canada. La Finlande, Pérou, Bolivie, Andalousie. Ouais, et puis le Brésil. Il y a même le Guarani qui a été créé. Wow. En fait, le Brésil, au tout début, hein, vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là, on était alliés avec eux. On était même en alliance. On était en alliance. Ils étaient sur notre marché, on les avait accueillis sur notre marché. Mais bon, une petite question de la famille, ils sont pas restés longtemps. Non, en vrai, ils sont restés pas mal de temps, mais
Bon, ils ont fini par partir, hélas. Et ce qui a causé leur perte, hein. Là on a la Nouvelle-Angola, on a le Brésil, ils étaient en révolution il n'y a pas longtemps, il y a même un Piratini qui est revenu, quoi. C'est dire à quel point il reste vraiment rien, quoi. Il y a un joli Canada, en vrai. Faudrait que je le joue un jour, le Canada. Ça peut être intéressant. Tu me diras, il n'y a pas grand-chose hein, en soi, mais... Là, il s'en est bien tiré. Ouais, il s'en est pas trop mal tiré. C'est quoi, ça? 23 tiges, ouais. 20... C'est le droit d'armature. Mais... A conduit un paquebot. Ah bon? Ok. Mais écoute, conduis ton paquebot, mon ami. C'est... voilà, toujours cette grande fierté d'avoir réussi à conquérir l'ensemble de l'Afrique en une partie. Voilà. Je suis pas le meilleur des joueurs, je le sais. Donc je suis content d'avoir réussi cet objectif. plus de Portugal, plus de Grande-Bretagne. Hein, voilà. Allez, il faudrait bien en taper sur un dernier, histoire de... L'Empire Ottoman. Ah mince. Comment ça je peux pas l'Empire Ottoman? Je peux pas les annexer. Alors faire un pays fantoche. Puissance importante non reconnue. Purée, ils sont tellement forts que je peux pas. Ouais, ils sont tellement forts. Même le... Même la Nouvelle-Galles du Sud. Ah non, non. Oh, on s'entend bien, c'est bien. Nagpur. Oh. Vous avez déjà vu, vous, la dernière fois. Ouais, je peux pas les emmener en plus, il me semble. Ouais, je peux même pas... bon, bah là, on pourra même pas conquérir, vu qu'on a déjà un coup diplomatique. Zut. Alors, en Nevada, épuisé. C'est ballot, ça, hein? Quel dommage. Ouais, bon bah on va faire un petit coup de marché. Hein. On va faire un petit coup de marché. Là en soi, je vais juste laisser la partie se dérouler. Je ferai quand même un récap à la fin. Voilà, juste avant la fin, juste avant le passage en 36. 3 ans. C'est quoi, ça va être le dernier épisode. Même s'il dure un peu plus longtemps, encore. Ce sera le dernier épisode. Et un truc... non, on a qui? On a les noyaux, ouais. Je peux pas passer en République des Conseils. Il faut qui? Les forces armées. Mmh. Ah ouais, tout le monde désapprouve. Oula. C'est pas là. Pétrole de découvert en Dzou quelque chose. Dzougari. Ah. On n'a pas l'accès. Dommage. La cuir communiste a renoncé. Très bien. Ça me va. Je pourrais conquérir l'état de Bombay en soi. Ça me permettrait d'avoir un accès. Hein. Si je fais ça... Oh, je peux même dire restituer l'état. Allez, on va finir la partie sur les honneurs. Ou alors, avec une grosse honte. Au choix. On va demander à ce qu'on nous restitue l'état de Bombay. 14 ans famille, oh, je sais pas, après les gars. Voilà, voilà, voilà. L'Italie. Tiens, non, l'Empire Sikh ne soutient plus. L'Italie, veux-tu soutenir vraiment? Es-tu sûr de ta connerie? On va attendre là, tout ça, voilà, blablabla. La Belgique révolutionnaire, ouais, ouais. Encore? La Prusse soutient la Belgique, ok, ouais.
J'étais persuadé d'avoir mis le jeu en pause. L'Empire Sikh soutient. Bah il soutient ou il s'en tient plus, faudrait savoir au bout d'un moment quand même. Ok. On va activer les conscrits. Faut faire bonne figure quand même. Et ça marche, il n'y a pas un truc là pour tous les activer à la fois. Parce qu'on a un paquet de conscrits là, hein. Je sais pas combien j'ai d'état mais... On est au niveau du M, KLMN, Mozambique, Nagpur, Niger Island, Nul Bleu. Peut-être manquer d'armes tout ça par contre, peut-être manquer de ressources. Peut-être pas la bonne idée là, ce que je suis en train de faire en vrai. Peut-être en train de faire un bon gros troll là. Ouais, c'est pas très très grave, allez. Hop là. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? À quel point on n'est pas bête des fois quand même. On va recruter un peu partout quand même. Ouais, toi t'es bien. Toi t'es pas mal. Pas ouf, mais bon, ça passe pour la taille. Ok, c'est toujours ça de prix, oui. Oh, Sénégal et du monde, c'est bien ça. Innovant explorateur, allez, on pourra partir là-dessus. Cul du Sénégal, je crois que c'était à Chine. Oui. Je vais mettre au niveau maximum. Hop là, voilà. Et la vraie question, c'est... est-ce qu'il en reste quelque part? Pardon. Au moins en quantité... Éthiopie. Alors, QG, Éthiopie. Il est là. On va promouvoir un ou deux coups. 34, c'est bon. Et le QG du Sénégal aussi. Allez hop. Chuit. Oula, j'ai dû aller un peu loin là. C'est pas dans l'ordre. Ah, dommage. Il est là. C'était le premier. Bon, il a déjà tout pourvu, ok. Alors, Pierre. Tu vas aller là. Là, on est correct. Il va pas envoyer plus de monde. Il va pas envoyer plus de monde. Donc toi, tu vas aller là. Et ici, une quarantaine, donc si j'en mets 22, ça devrait être correct. Ici, 17, je vais en rajouter un peu, 17 plus 6, ça devrait être bon. Pasquier, ça il fait de la pub là. Ouais, il fait de la pub. Armand de Pourtalès, tu vas aller là-bas. En défense, ouais. Toi tu vas aller ici en attaque. Toi tu vas aller ici en attaque. Toi tu vas aller ici mais en défense. Ici en attaque. Ici en attaque. Par contre ce qui fait que là je dois avoir plus personne sur ce front. il l'a vidé, c'est bien. J'ai envoyé pas grand monde là, j'ai envoyé lui. Ben voilà. À mon avis, je vais être en pénurie d'armes. On va pas se mentir les gars. On va se faire une petite pénurie là. Je m'en fous. Notre échangeur en Belgique, ok. Hop là. Si, c'est bon, on a du monde qui est en chemin. Ouais. On fera peut-être un petit débarquement là.
Oh, je vais faire mieux même. Je vais mettre quelques petits gens en défense ici. C'est vrai que j'ai au final, vu que je fais de la mobilisation, je vais pas avoir non plus de troupes avec pas grand chose. Ah. Ouais, même les plus petites les unités vont en avoir. En Oromia, c'est où? Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. C'est où l'Oromia? Ouais, mais où? Ah, c'est encore ici. Ok, très bien, ça me va. Même s'il n'y a pas grand-chose, c'est toujours à prendre. On a encore, oui, des troupes que je disais. Voilà. Mobiliser. On va défendre ce front. Et vu qu'on va envoyer, je sais plus qui, avec Edouard là, pour faire une petite invasion navale. Hop là. On va en mettre un peu là sur les défenses des différents fronts. Hop là, voilà. Tout le monde est de sortie. La militaire coûte radio. Oh merde. Radio, avion, munitions. Ah bah oui, merde, tout ça. Oh là, oui, oh là là, je vais être en pénurie, moi, tu vois. Tu vas voir que je vais être en pénurie. Ok, les radios, ouais, quand même. Oh bah purée, moi ici. On va en faire un paquet, hein. Les munitions, les armes, là, je vais être aussi en déchet. On les a mis en priorité. On a mis ces constructions là en priorité parce que là ça va piquer. Ok, il y a du monde hein, quand même. Hein. La compagnie des Indes orientales, ça c'est l'Italie, l'Empire ottoman, la Perse, la Chine, le Siak, le Siam. C'est qui ça? Ensuite c'est l'Ukraine et les Chiques, mais c'est qui ça? Le Luang Prabang. Aucune idée d'où est-ce que c'est. Je m'excuserai hein, si vous y habitez. Ou quoi, mais je ne sais pas où est-ce que c'est. Ça a renoncé. Bon, pourquoi pas. On a la région de Bombay. On a encore une petite France ici. Et au moins ça permet d'avoir... d'avoir toutes ces régions là qui sont sur mon marché quoi. Royaume de Wassa de l'Est. Ici. Non, c'est juste à côté, dommage. On a un. Ouais. Ouais. Entendez la joie. Ouais. Bon, on a du vin, mais on n'a pas de potentialité de vin. Ça c'est pas à moi en plus, c'est nul. Ah vraiment tous les endroits et de la potentialité. Attends, potentialité ou production? Est-ce que j'ai... Ouais, potentialité. Ah ouais, vraiment, j'ai tout ça, là je l'ai pas, ça je l'ai pas, tout ça je l'ai pas. C'est là où je pourrais avoir du vin. Oh, flûte. Attends, je peux en faire en Portugal. Yes. Les gars, on va se mettre au vin là. On va pas savoir, on veut du vin. Du vin. Ça on s'en fiche. On veut du vin. Enfin, ils veulent du vin, mais bon. On va pas le dire. Deux voies ferrées. Ça on s'en fiche. On veut produire les gars du vin. On veut saouler la tronche, tiens. On veut oublier. Hop, on va mettre comme ça, très bien. Terre d'abondance, parti radical, c'est lequel? Je crois que c'est les intellectuels, non? Ah, pas du tout, mais d'où? Ah! On va faire ça. Hein. On va pas leur donner non plus trop de pouvoir, faut pas déconner. Y a quoi ici?
Du millet, hein. C'est dommage, le millet on peut pas faire devant, on peut faire que des fruits. Et du sucre, enfin voilà, vous avez compris quoi. Tiens, un autre endroit où je puis en faire. On est complet. Ah, ici! Ouais, bon, que dalle quoi. On peut en faire, mais vraiment pas assez quoi. Ici aussi. Ouais. Là, non. Là, non. Un petit peu au niveau de fesses. On va en faire. Hop là. Et au niveau du riff. Non, on reste en vignoble. Je pourrais peut-être en faire au niveau de la Corse. Ah, en Angleterre, attends, en Angleterre, c'est à moi maintenant. Ah non, en Corse, y a pas de blé, y a pas de blé. En Grande-Bretagne, il y a du seigle. Non, me dis pas qu'il y a pas de blé. Ah, on va leur faire faire du vin en Grande-Bretagne. Ils vont kiffer, ils vont très très vite s'y mettre, tu vas voir. En oral, oui, mais en oral, c'est pas chez moi. Je voulais voir. J'ai l'impression que tous mes voies ferrées ne sont pas subventionnées. Ah, bingo, toutes mes voies ferrées n'étaient pas subventionnées. Sécession Telugu, pardon. Hop, et hop. Je sais pas du tout où c'est. Sûrement quelque part bah dans mes territoires. Très drôle, dis donc. T'as bouffé un clown, mon gars Tchub. Oh, mais attends, il y a du pétrole ici? Mais quelle idée de pas l'avoir. Alors, je sais qu'il y avait du charbon, mais du pétrole. Ok, cool. En Yorkshire, c'est du seigle. En Lancashire, il y a du pétrole, mais c'est du seigle. Oh bah là ça va être du seigle, hein. Il fait un peu trop froid, c'est pas assez tempéré pour du blé. Si tu me dis qu'en Irlande, non bah c'est bon, c'est du seigle en Irlande. Ils peuvent pas faire de... On est d'accord, on va quand même vérifier, mais le seigle, il n'y a pas de vin, hein, pas de seigle. Putain je suis con, mais il n'y a pas de vin sur les... Non, c'est des pommes de terre. Ouais. Petite révolution, où est-elle? Déjà on a ça. Alors les gars, vous n'avez pas choisi le bon moment parce que maintenant je peux venir. Et ouais, on a un chemin maintenant pour venir. Tout était prévu. Potentialité, ouais, on va voir. Ok, bon, on va vérifier un peu partout. Un peu partout si on peut en faire. Waouh. Oh oui, on peut en faire beaucoup en Picardie, c'est cool. On a 31 millions de paysans, c'est un peu plus de 10%. C'est correct en vrai. Attends, quoi? Ok, on a 100, 140 à peu près. On va renforcer de 2. Là, au niveau du blé, on va retirer les engrais. Et voilà. J'aimerais bien exporter un petit peu du surplus de blé. Surplus de céréales. Qui est moins gros, mais qui est quand même important. On va essayer de voir une exportation. On peut l'exporter vers Hanovre. On va exporter un peu partout, on peut. Cambodge, on va exporter ça partout. J'ai tellement. J'ai 300 000 convois, les gars! Oh! Vous vous rendez compte? 300 000 convois! J'avais pas fait attention! Ouah, 300 000 convois. Oh purée. Est-ce qu'il faut?
on a clairement ce qu'il faut. Route d'exportation de céréales, voilà, 17 février, on a créé des routes d'exportation. Et là, je pense que... Oh, moi, j'aurais pas le temps de tout faire. 100 semaines? Ouais. On sera pas loin de tout faire, hein, mine de rien. Pour le fun, on pourrait même passer en... bâtiment soudé à l'arc. Juste pour tout faire. On aura ce qu'il faut quand même en ressources ou pas? Non, parce que... Ouais, si. Construction, c'est pas trop mal. Bah là, disons, ouais, je divise mon temps de construction par deux, quoi. Aïe aïe aïe. Bon, je suppose que je vais avoir quand même des biens coûteux que les radios. Non, sérieux? Ok, c'est, ça a pas coûté plus cher que ça. Et au niveau des pages que je fais simultanément, j'en suis à 6 pages. 6 pages simultanées, je sais pas combien on a par page, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ok. Ouais, je construis 120 trucs simultanément, c'est cool, un peu moins de 120, 115 allez, on va dire. Non, on va pouvoir monter un bon petit... en vrai... Ouais, entre 3 et 5 milliards atteignables si on... Si j'avais pas paressé sur le marché. Ouais, c'est un peu bête de dire ça, mais c'est le cas, quoi. On va faire les institutions. Sans une semaine. Ah, bah, on n'aura pas le temps de monter au max. C'est pas grave. 2222 de construction, tout pile. Eh bah, écoute, j'aurais voulu le faire exprès. Tout pile, ouais, enfin, t'as un virgule, mais voilà, on s'en fiche. Mais 2222. J'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas réussi. Franchement. Voilà, j'aurais voulu essayer que j'aurais pas réussi. Honnêtement, je sais même pas combien j'ai de centres de construction. 87. C'est tout? Ah, c'est vraiment pas beaucoup. Ok, je suis étonné. Il me semble que sur certaines autres parties, j'avais atteint beaucoup plus de secteurs de construction, mais ça me donnait pas tant. Ok, moi ça me va. Les radicaux sont en baisse progressive, normal. Toujours plus de loyalistes, pardon, ça me va. Niveau de la population, oh, le petit pic là en fin de partie, vum. Ça, je sais pas qui j'ai annexé ici. Mais il y avait du monde. Hein. C'était peut-être la Grande-Bretagne, ouais. Ah, peut-être le combo Grande-Bretagne-Égypte. Ok, le duc, parfait. 800 de dépenses, c'est rien. Le niveau de vie, il a eu un pompic à 18. Et après, bah, forcément, on a fait rentrer des habitants. Et aussi, on n'a pas assez de métiers pour tout le monde, donc forcément le niveau de vie baisse. C'est qui ça? Non. Alphabétisation, on est 6ème avec 84%. La Saxe, la Prusse, la Neuve, la Belgique, la Scandinavie. C'est vraiment pas mal. Hein. Voilà, bon, bah ça s'augmente comme ça. Zanzibar, il va falloir que je mette un décret de secours d'urgence aux Zanzibar. C'est bizarre ça. Bon. Pas grave. Dépenses supplémentaires, 1K4, ok. Ouais, isolé au duc, ok. 1,3 million de biens de construction. Ok, ça me va. Mon fonds d'investissement est à 2,5 milliards. Mon fonds d'investissement est plus haut que mon PIB. Hein. Ouais. Plus 1 million par semaine. Oh la vache. Oh la vache. Au niveau du monnayage, 1,8 million de monnayage. Ça c'est drôle. Oh, ça c'est pas mal. Hein.
Pépinière a renoncé en disant ok. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre comme stat? On va faire un peu plus ou moins tous les toutes les pages, ça me servira. Faire colonial, ouais, tout ça on s'en fiche un peu, les lois, etc. Ouais, on peut faire un petit récap sur les lois. République présidentielle. On avait galéré hein, à jarter le roi. Je me souviens très bien. Faible accès au marché, Franche-Comté. Ah. Birmanie isolée. Ah merde, la Birmanie, ouais. Hop là. Au niveau du budget, bon pareil, c'est vrai qu'on est toujours en taxe minimum. Hein. Là, si on est taxé, plus 4, plus 4 millions 5, on aurait 4 millions 2 de rentrée de taxes. Bon, c'est pas très intéressant. Enfin, je trouve pas ça intéressant. Là, les États. Oh! Wouah! Ah, ben purée! Attends, on va faire par impôt. Armagnac, premier. Centrale électrique, ouais, qui font gagner. En Bourgogne, les outils. En Île-de-France, les administrations gouvernementales. Et en Normandie, les usines textiles. Pas mal le blé, hein. Et en Normandie, le blé nous fait rentrer 26 000 quand même. Propre. Après la verrerie, ouais, la verrerie en Aquitaine. Les académies des arts, la verrerie en Orient, les académies des arts en Aquitaine. Franche-Comté, on a. Oui, c'est vrai qu'on a aussi des usines électriques. Ok, pas mal, hein. Crédit, 400. Ah ouais. Ouais, pas mal. On dépense 2 000. Putain. Wow, on dépense 3 millions 5 en salaire et biens gouvernementaux. Uniquement 1 million en armée. En Assam. C'est pas chez moi, dommage. Prestation d'aide sociale, je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, ça doit être les aides là, secours d'urgence. Quelques subventions pour les voies ferrées, etc. Ouais. Aucun intérêt. Les oléoducs, forcément. Bon, au niveau des bâtiments, on a une usine de textile qui produit à balle. On a un peu plus après, mais. On a un peu partout en fait, hein, des usines de textile. Ça, c'est pas mal. Pareil, une grosse verrerie, une grosse production d'outils, hein, comme on disait. Achat de. Ah. Mais c'est où ça, l'Ouaday? Nous avons le plan de secours d'urgence en Ouaday. Bon, on va activer le plan de secours d'urgence en Ouaday. C'est quand même bizarre ça. Ça en fait deux en peu de temps alors que j'en ai pas eu du tout. Condamner l'esclavage. Bien sûr que nous condamnons l'esclavage. Quelle idée. Au niveau des militaires, on pouvait monter jusqu'à 656 troupes, 1000 troupes régulières. Hein. Facteur 10, c'est pas énorme. 2 millions et quelques de conscrits, c'est pas mal. Dans les garnisons, j'en ai une chien, hein, je vous fais pas le tour. Et la marine, on était tranquille. D'ailleurs, on avait tout en infanterie, enfin, en technologie maximum. Parce que oui, on avait toutes les technologies. Voilà, je vais y arriver. On avait tout débloqué. Au niveau de la diplomatie, on en a un paquet. Aïe, 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 aïe. Bien sûr, on va pas les libérer, faut pas déconner non plus. Ah, t'as de l'explorateur de pays? On a une entente cordiale avec l'Andalousie, ça c'est bien. Les Philippines. Ouais, bah en gros, un peu tous les pays qui nous sont sujets. Ah non, Luxembourg, on est cordial aussi. Tiens, c'est marrant ça. Maya. Il y a les Mayas. Ok. Si on garde, on a quand même pas mal de pays fantoches, même si on en a accès beaucoup. Hein. On a vraiment accès beaucoup. Quelques embargos.
Oh, même pas trop, hein, vraiment, même pas trop. Au niveau de la culture, ouais, on va faire un petit. Alors, on a des Français catholiques à 50, à 60%, hein. Presque pas radicaux. Des Occitans catholiques, là on baisse direct à 10%. Waouh, là ouais, la moitié c'est. Hein? Alors, attendez. Français catholique. Force politique, ok. Sa force politique. Ouais, bon, la majorité c'était Français catholique au niveau de force politique, ouais, d'accord, c'est pour ça. On a ensuite. Bon, on va faire sans population. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ah oui, mouvement de sécession, c'est pas grave. On a ensuite des hindous, les occitans, les anglais. Ouais, encore des hindous. Après, on a des sunnites, portugais, etc. Et c'est quoi la culture que j'ai le moins avec. Avec zéro. C'est pas beaucoup tout ça. On a des salish, animistes, ok. Le pétrole a été découvert. Hein. Mais ça va plus me servir, on va quand même. On va quand même les prendre, hein, faut pas déconner. Au niveau des populations. Politiquement impliquées, hein, quand même, un hein, paquet. Hein. Beaucoup d'ouvriers. Oh la vache, ah ouais, j'ai un nombre d'ouvriers, toi, c'est. % d'ouvriers, 25% de paysans, un peu de machinistes, etc. Ok, on est good, hein. Ouais, ça on l'a vu, ça on s'en fout. On a eu l'expédition, cartographie, mais bon, pas très très intéressant. Du pain et du sang. Ok, nos mesures ont fonctionné, c'est cool. Et je dois avoir. Ah, j'ai des états non incorporés. Ah, j'ai tout ça en état non incorporé. J'en ai qui doivent être en cours aussi, ça doit être pour ça. Il y a Hyderabad, Bombay, Nagpur, le Fujian et les Lowlands. Ah oui, parce qu'il y a eu des sécessions. J'ai les appelés. Eh bah c'est pas mal tout ça. Hein. Allez, ça j'en suis content. On est en mai 35, la partie se finit le 1er janvier 36. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série. Voilà, en bien, en mal. Bon, bah forcément, la fin est un peu moins intéressante une fois qu'on a réussi à faire l'objectif. N'hésitez pas à me faire un retour peut-être sur le pays que vous voulez jouer. Enfin, sur le pays que vous aimeriez me voir jouer. Hop, on a ici, ça perfait encore du pétrole, c'est cool. Sachant que là, on est en quoi? On est le 20. On est le 20 décembre. Oui, on est vraiment le 20 décembre. Ah, mais c'est fou, j'ai vraiment du problème en Ouganda. Partout là, il y a. Tu vas pas me dire que je manque de bouffe? Merde, c'est où l'Ouganda? Dans le coin de l'Ouganda en plus. Ah, c'est là. Voilà ce que je pourrais jouer, sachant que bah, ce sera pas joué avant un moment et ce sera pas diffusé encore avant un moment. Ah, je sais. C'est là au niveau du marché. Peut-être pas avoir assez d'aliments. Ça doit être un truc comme ça, je suppose. Parce qu'on est d'accord, hein, j'ai pas de. J'ai qu'une seule région isolée. Ouais. Pour la prochaine partie, honnêtement, j'ai aucune idée de ce que je vais vouloir jouer. Si ce sera un succès, si ce sera autre chose. Ah si, peut-être le Canada, qui me donnait envie, mais à voir, à voir. C'est vrai que ce serait une petite partie tranquille, quoi. On stagne au niveau des 2 millions de PIB. Ce qui est plutôt pas mal, on a du caoutchouc. Oh, regardez toutes les potentialités de caoutchouc là. C'est génial. C'est génial.
60 plantations au Congo. Ah ouais. Ah, ça déconne zéro ici, hein. Ah, ça fait combien? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Allez hop. Elles se font toutes d'un coup. J'ai 60 constructions. 60, enfin 60 plus 5, plus 1 par, je sais plus combien. 70 à 80 qui se font d'un coup, c'est quand même magnifique. 60 plantations de caoutchouc qui vont sortir du sol d'un coup. Vous. Magie, magie. Enfin, je sais même pas si j'aurais terminé à temps. 6 semaines. Si, 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 si. Oui, ça aura le temps de sortir. Je fais quelques parties déjà en Afrique du Sud, donc ça m'intéresse pas de reprendre en Afrique du Sud. Les États-Unis d'Amérique, le Mexique, ça en plus. L'Australie, ça peut se faire. Le shogunat japonais, c'est un peu chiant. Leur isolationnisme est chiant à faire partir. Enfin, moi, j'ai un peu de mal par rapport à ça. J'avais essayé une ou deux parties, j'ai un peu galéré. J'ai joué les Indes orientales, c'est pété. C'est juste pété, tu fais tout ce que tu veux. T'as tellement de population que. Et t'es tellement avancé technologiquement au début que tu fais un peu ce que tu veux. Je trouve ça totalement pété. C'est pas pour rien d'ailleurs hein, qu'ils ont un bon classement. Là, ils sont quatrième. Quand t'as une population de 150 millions. Encore au début, ils en avaient déjà pas mal aussi. 100, 125 millions au début. Fais un peu ce que tu veux. Ouais, l'Égypte, non, j'ai déjà fait une partie avec. Madagascar, c'est un peu pareil que le shogunat japonais. C'est la merde, hein. C'est un peu la merde pour les pour les faire sortir d'isolationnisme. C'est moins pire, mais technologiquement parlant, c'est encore pire que le Japon, alors que le Japon, c'était pas ouf. La Corée c'est sympa, mais t'es annexé à la Chine donc tu dépends beaucoup de son marché au début. Et technologiquement t'es pas ouf, alors que pourtant la Corée technologiquement à une époque c'était vraiment ouf, mais après c'est parti en cacahuète. À recherche d'une meilleure. Encore! Purée de Mali orientale. Secours d'urgence. Hein. Et on voit, on est le 7 décembre, 8 décembre, 9 décembre, on arrive sur la fin de la partie. Je vais faire une petite sauvegarde au 30 décembre, histoire de pouvoir voir ma partie, voir des stats spécifiques au cas où. Au cas où j'en oubliais hein, dans mon récap, pour pouvoir faire tout ce qu'il faut. 28 lundi soir. 30, allez. Sauvegarder la partie. On va le renommer fin de la campagne avec la France. GG Wellplay. Oui, je m'en congratule moi-même. Faut savoir le faire un peu des fois, ça fait du bien. Et c'est parti pour l'écran de fin. Fin de la partie. Voilà. Alors, on va regarder vite fait. Il nous propose pas grand-chose en vrai en statistique. On est premier avec 22 000 de prestige. On est premier producteur en tellement de trucs. Voilà, on n'est pas en clipper vu qu'on était passé à la technologie d'après forcément. Pas en spiritueux, en thé, en opium. Oh, tu m'étonnes, mais je suis quand même deuxième. Hein. Je suis le premier en tout ça là, c'est fou. Catholique, français, terres arables. 12 000, pas mal, pas mal. Au niveau du PIB hebdomadaire, on était sur du 43 millions, c'est good. Au niveau de mi moyen, on était sur du 15, je crois à peu près. Prestige, 22 000, la population, on était pas loin des 300 millions. Puis tout le reste, on l'a vu. Voilà, donc j'espère que cette campagne avec la France vous a plu. Écoutez, on va se retrouver tout bientôt pour une nouvelle série. Je ne sais pas si ce sera du Victoria, si ce sera autre chose.
Aucune idée. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou quelque chose comme ça pour ceux qui ont regardé. Même juste dire coucou, comment vas-tu? Ou GG ou quoi que ce soit. On se retrouve très bientôt pour la prochaine série. C'était Tiob. Ciao.